Qui de nous n'a jamais fait sur une carte, et l'imagination aidant, de beaux voyages? Ah, que n'êtes-vous moins loin, beau pays de l'autre bout du monde? En pensée, combien de fois avons-nous accompagné ceux qui partent quand l'annoncent les journaux? Que lit-on aujourd'hui? Cécile Sorel va vers l'Amérique du Sud. Ah, l'Amérique du Sud, ses forêts, sa musique, ses gauchos. Mais après tout, pourquoi ne serions-nous pas, nous aussi, du voyage? Allons, c'est décidé, en route. Soixante robes doivent être emportées. Seront-elles prêtes? Le couturier est un magicien. Tout est paré, c'est le départ. Marseille, porte ouverte vers les pays du Sud. À quai, le navire nous attend. Comme il se doit, et après le dernier coup de sirène, Cécile Sorel, précédée de fleurs, monte à bord. Le commandant l'accueille avant d'aller présider aux manœuvres du départ. Les navires à l'ancre, immobiles, semblent faire une haie d'honneur à notre bateau qui s'en va. Dans le ciel, des mouettes nous suivent, dernier adieu de la terre rapidement disparue à l'horizon. Premier matin en mer. Le ciel, encore chargé des nuages de la nuit, s'éclaire. La mer est calme, bon présage. Sur la passerelle, les officiers de quart prennent le point. Tous les jours, il en sera de même. Et à chaque fois, la carte du bord s'ornera d'un petit drapeau. 17 de ces drapeaux jalonneront ainsi notre route avant que nous n'atteignions notre but. Pour quelques-uns des passagers commence la vie paresseuse de bord. Pour d'autres, dont le métier est d'être souple, ils se doivent d'entretenir leur forme. À bord, les relations se nouent vite. Un beau jeu, celui qui, pour un moment, veut étonner ses voisins.
Sur le pont promenade, un beau parleur a déjà réuni autour de lui quelques auditeurs dociles. Il leur raconte qu'il est un grand voyageur, qu'il n'a jamais le mal de mer. Mais malheureusement, la radio capte un message qui annonce un peu de mauvais temps. Quelques heures plus tard, nous sommes dans la crasse. Le navire tangue un peu, la sirène mugit sans arrêt. Un seul des passagers est malade et c'est naturellement le beau parleur qui ce matin même était si fier. 5 jours sont passés. Dakar, première escale, ne doit plus être loin. Un petit voilier croise près de nous. Dans la mâture, voltige une mouette, indice certain de la terre toute proche. Majestueux et lent, notre navire entre dans le port de Dakar, 6e port français après Dunkerque. Tandis que s'effectuent les manœuvres d'accostage, des négrillons par dizaines se sont mis à l'eau et nous entourent en signe de bienvenue. Le navire est à quai, la passerelle est jetée. Des fleurs sont envoyées à bord, hommage du gouverneur, dont le palais se dresse en plein Dakar. À lui donc, la première visite. Près de là, des nègres se pressent en foule. Le marché, si pittoresque, offre aux voyageurs des images très couleur locale. L'escale est terminée, il nous faut repartir. Les jours passent, rapides. Le navire va atteindre bien zéro, c'est-à-dire l'équateur. Il est en mer des traditions. Le baptême de la ligne en est une immuable. Leur Majesté, Neptune et Amphitrite, suivis de leur cortège, vont baptiser sans ménagement les audacieux néophytes qui, pour la première fois, franchissent la ligne de l'équateur. L'Atlantique Sud nous offre l'éclatante sérénité de ces nuits tropicales. Mais avant d'atteindre la grande capitale argentine, nous toucherons à des rivages parés comme des paradis terrestres. Par un matin brumeux, nous entrons dans le port de Buenos Aires.
Buenos Aires, capitale de l'Argentine, est une des villes latines les plus peuplées et une des plus étendues du monde. On peut évaluer sa superficie à près de 200 km². Cette rue, qui est en quelque sorte l'axe de la ville, a 27 km de long. Le curieux monument du travail symbolise bien l'effort constant des hommes de ce pays pour construire. Partout dans Buenos Aires, les chantiers s'ouvrent, on érige, on bâtit, on modernise. D'imposants gratte-ciels bordent les avenues et les rues centrales. Le général Alvear, héros national argentin, dont la statue est due au sculpteur français Bourdel, commande du haut de son piédestal le quartier somptueux de la ville. Au milieu des jardins se dressent de riches demeures auxquelles la vie mondaine de Buenos Aires s'épanouit dans des décors toujours renouvelés. La ville ne retrouve un peu de calme qu'à la pointe du jour, à l'heure où, seul manifeste de la vie, les petites voitures de laitiers font résonner les pas rapides de leurs chevaux dans les rues désertes. En dépit des Argentins, Buenos Aires n'est pas située au bord de la mer. La ville est construite à l'embouchure du Rio de la Plata. L'illusion du grand large est donnée par des régates sur de petits voiliers. L'Argentine, pays d'élevage, manifeste pour les courses un goût tout particulier. Les hippodromes regorgent de monde. Sur les pistes de sable, les purs sang luttent avec acharnement. Nous allons reprendre l'avion pour survivre.
Aussi vaste que soit Buenos Aires, son étendue ne représente qu'une infime partie du territoire argentin. Dans ses frontières pourrait s'englober la presque totalité de l'Europe. Superficie atteint près de 2 800 000 km². Seul l'avion permet de parcourir distance. Après quelques instants de vol, les maisons, rapidement, deviennent rares. Nous allons bientôt connaître les immenses étendues désertes de la célèbre Pampa argentine. Dans ce pays de plaine, les atterrissages sont aisés. Notre avion se pose près d'une estancia dont le caractère espagnol est très marqué. Aux alentours, d'innombrables troupeaux vivent en presque totale liberté, gardés par de hardis gauchos dont la réputation n'est plus à faire. Le cheptel argentin est un des plus importants du monde. Dans ces grandes plaines vivent près de 35 millions de bœufs. Remate, cela veut dire qu'un marché va se tenir là. Aussitôt annoncé, ce marché attire les troupeaux des élevages voisins qui affluent par milliers. Parqués, sélectionnés, les bêtes sont rapidement vendues. Il n'est pas rare de voir vendre en un seul jour plus de 50 000 têtes de bétail. Les jours de marché, une coutume veut que l'organisateur offre gratuitement à ceux qui en demandent des morceaux de viande qui grillent en permanence devant un feu de bois. Extrême frontière argentine qu'aucune route ne permet d'atteindre, la cordillère des Andes. La cordillère des Andes, frontière naturelle de l'Argentine et du Chili, est une chaîne de montagnes ininterrompues dont les pics atteignent pour les plus hauts une altitude de 6500 à 7000 mètres. C'est dans ce terrible décor que se joua il y a quelques années une tragédie dont la France et le monde tout entier suivirent avec angoisse les différentes péripéties. C'est dans le dédale de ces précipices abrupts que Mermoz, l'archange comme l'appelaient ses amis, fut contraint un jour d'atterrir. Quelle force de volonté et d'adresse il fallut aux glorieux aviateurs pour sortir victorieux de ces montagnes inaccessibles que ne peuple aucun être vivant. Tomber dans de tels abîmes, c'est mourir.
Ce décor de fin du monde sera aussi celui de la fin de notre voyage. Un navire bientôt va lever l'ancre et nous ramener en France. Cécile Sorel salue une dernière fois ces pays qui l'ont acclamé. Et c'est avec regret que nous voyons s'éloigner rapidement ces côtes hospitalières.